a sua esperança. Essa é a hora, sente essa luz te envolver. Não importa se cair, pois sei que posso levantar e vencer. Mandando a força da coragem, toda a sua energia para a luz que brilha em nós. Saiba que um dia ainda vamos ser. Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de Naruto Storm 5. Alors attention à prendre avec des pincettes, je rappelle que le jeu n'est pas officialisé. Je rappelle que c'est juste des vidéos théorie et tout ça. Et bien évidemment une vidéo où je veux parler des personnages que je veux dans le jeu. Et on est là pour la partie 2. Alors oui, il y a un mois je vous ai fait la même vidéo, mais parce que je parlais que de l'univers Naruto et je parlais pas de l'univers Boruto. Là aujourd'hui c'est l'inverse, on ne parle pas du tout de l'univers Naruto, on parle de l'univers Boruto. Voilà, parce que je sais qu'il y a des fans de Boruto et que j'ai envie quand même d'avoir certains personnages de Boruto dans le jeu Naruto Storm 5. D'accord. Alors, aujourd'hui, voilà, comme la dernière fois, on va faire 5 choses, voilà, 5 personnages, 5 groupes de personnages que je veux de l'univers Boruto. Bien évidemment, j'allais dire Naruto, mais j'ai tellement l'habitude de dire Naruto et pas Boruto. Donc voilà, de l'univers Boruto. Et bah, on est parti, on va faire ça tout simplement. Donc si ce genre de vidéo te plaît, bah, n'hésite pas à mettre ton petit mirai pouce bleu, frérot, ça fait plaisir et ça aide au référencement, bien évidemment. N'hésite pas à partager la vidéo en masse aux fans de Boruto et même de Naruto si tu kiffes bien. Et puis aux fans de Naruto Storm également. Et puis voilà, tout simplement, n'hésite pas à mettre en commentaire hashtag Naruto Storm 5, bien évidemment, ça fait plaisir. Oui. Comme d'hab aussi, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, fais ça, et puis voilà, merci à toi si tu le fais. Et vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc rejoins la Mirai Family. Allez, viens frérot, ça ferait plaisir. Allez, viens. Allez, viens. Viens. On est bien. Donc voilà, 5 groupes de personnages que je vais vous citer, bien évidemment, dans l'univers de Boruto que j'aimerais avoir. Alors, bien évidemment, il y a des personnages que la plupart des gens aimeraient avoir également. Donc, je pense que là, je vais faire du classique. Donc, calmez-vous si vous avez déjà vos persos. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi. Voilà, je sais pas, un petit top 5 de vos personnages que vous aimeriez avoir, bien évidemment, dans le jeu Naruto Storm 5 ou Naruto to Boruto Storm 5. Ça serait plutôt intéressant. Voilà, et puis ça aide à interagir ensemble. Oui. Bref, on va commencer par le premier groupe de personnages. Alors là c'est pas un groupe, c'est tout simplement un personnage que je veux en particulier. Il s'agit bien évidemment de Kawaki. Bah ouais, logique. Voilà, Kawaki, c'est le personnage que je trouve le plus charismatique dans l'univers de Boruto, le plus intéressant, le plus propre en termes d'écriture de Boruto. C'est vraiment le personnage que je kiffe dans Boruto. C'est le seul truc qui me fait tenir dans Boruto, c'est Kawaki. Ah. Donc vraiment c'est super intéressant, la manière dont il évolue, le fait qu'à la base il maîtrisait pas le ninjutsu, le taijutsu, il savait pas ça. Et maintenant il sait l'utiliser, il sait faire des clones et tout ça, donc c'est vraiment super intéressant de voir ça comme ça. Et franchement ça fait extrêmement plaisir. Kawaki, ça fait plaisir, on est là, j'ai vraiment envie de l'avoir, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez Kawaki. Moi j'aime beaucoup Kawaki et c'est vraiment un personnage que je kiffe. Ensuite, là ça va être un petit groupe de personnages, voilà, je veux Borushiki. Alors Borushiki, je veux dire Boruto en mode Kama de base et qui se transforme, voilà, par exemple en mode éveil en Borushiki et qui devient ultra cheaté, ultra puissant et ultra imposant. Donc voilà un personnage comme ça, le personnage de Boruto qui se transforme en Borushiki. Et avec lui, bah, j'aimerais bien avoir Code. Voilà, Code monstrueux dans le manga et toute la team de Code, hein, bien évidemment, mais on va dire Code en principal. Ensuite, un petit groupe de personnages aussi que j'aimerais avoir, enfin c'est le même perso. Pardon ? Pardon ? Mais c'est sur deux formes différentes. Il s'agit de Jigen et Ishiki Otsutsuki. C'est la même personne, mais je veux ces deux personnages distincts. En personnage jouable, j'aimerais bien avoir juste Jigen et la forme de Ishiki Otsutsuki. Pourquoi ? Parce que c'est deux formes différentes, deux formes qui sont complètement opposées, qui sont pas du tout les mêmes puissances et tout ça. Du coup, moi, j'aimerais bien avoir les deux distincts. Vraiment qu'on se dise, quand tu joues Ichiki, bah, t'as certains pouvoirs que tu n'as pas avec Jigen et inversement. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je voudrais. En deuxième place, bah, vraiment, c'est voilà le personnage que pas mal de gens aimeraient avoir, c'est Mitsuki mode ermite. Très très stylé, incroyable. Je comprends toujours pas qu'ils n'ont pas ajouté dans le jeu Naruto Storm 4. Vraiment, masterclass Mitsuki mode ermite. Ah oui, 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 oui. Franchement, très très propre. Et puis ça fait plaisir, voilà, il mériterait d'être dans le jeu. Donc voilà, mettez-le dans le jeu. Et puis, comment ne pas parler, voilà, là on va parler du dernier perso, mais comment ne pas parler du personnage phare de Boruto, Naruto Byron. Voilà, Naruto Byron, je n'aime pas la forme, hein, clairement. Noni. Je n'aime pas la forme, mais faut quand même avouer que bah, quand il encule Ishiki, c'est stylé.
Et bon, bah, il la faut, quoi. Il faut toutes les formes de Naruto dans le jeu. Hein. Donc, Naruto Byron, il faut la mettre, même si j'aime pas la forme en soi, pour bah, tout simplement se dire qu'on a toutes les formes de Naruto dans le prochain jeu Naruto Storm. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo, encore une fois. J'espère que vraiment vous a plu. À mettre ce que vous voulez en commentaire, bien évidemment. Voilà votre petit top 5 perso. N'oubliez pas de mettre le petit hashtag Naruto Storm 5, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Voilà. Et puis, nous, de toute façon, on va se retrouver pour la prochaine vidéo, pour le prochain AVE, encore une fois, pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas que la meilleure famille est toujours en vous, bien évidemment. Et sur ce, je vous retrouve encore une fois pour la prochaine vidéo, pour le prochain AVE, encore une fois, pour la prochaine vidéo. Et sur ce, ciao les gars!